Bonjour, donc nous sommes dans la piscine et nous allons vous montrer sur le Skymer le niveau d'eau. Niveau d'eau qui est important sur une piscine pour que votre Skymer ici agisse et la bonne fonction et qu'il n'y ait pas de désamorçage de la pompe de filtration. Donc ici on s'aperçoit que le niveau d'eau est un peu bas puisqu'on a baissé volontairement le niveau d'eau pour faire la ligne d'eau. Comment on voit que le niveau d'eau est trop bas? Normalement, sur ce skimmer là, on ne l'a pas, mais j'ai un cache de skimmer ici. Voilà. Sur ce skimmer, vous voyez bien que on a un niveau d'eau maxi et un niveau d'eau mini. Donc maintenant, si je mets mon cache ici, qui correspond à la même hauteur que mon skimmer dans la piscine, ici, voilà, j'y suis, on s'aperçoit que je suis pratiquement au niveau d'eau mini. Donc il faut, pour que mon skimmer fonctionne correctement et que je n'ai pas de désamorçage de pompe, que je sois entre le mini et le maxi, l'idéal c'est de se trouver à peu près par là. Donc vous voyez qu'il manque à peu près 3 cm de hauteur d'eau. Donc on va mettre le remplissage de la piscine et on va remonter le niveau d'eau. Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir le niveau d'eau au bon endroit sur cette échelle. On se retrouve dans quelques temps. A tout à l'heure. Voilà, donc nous avons relevé le niveau d'eau. On a bien vu ici la différence entre ce qu'on avait hier et ce qu'on a aujourd'hui. On a rajouté 2500 litres d'eau. Donc là, le skimmer est parfaitement au bon niveau. L'eau dans le skimmer est au bon niveau. Donc nous vous avons montré le traitement de l'eau. Nous vous avons montré le fonctionnement du skimmer. Nous espérons que tous ces détails vous aideront dans la vie de tous les jours. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Spareka YouTube pour vous abonner en fin de vidéo. Vous avez un petit encart pour vous abonner qui vous permettra de recevoir des alertes sur toutes les vidéos que nous publions. Nous publions une vidéo par jour sur l'électroménager, sur la piscine, sur le jardin. Donc venez nous rejoindre sur Spareka YouTube. À bientôt.